Hello, derrière moi, bureau des passeports annuels, on vient juste de les refaire. Alors ce qui est drôle, je regarde pas les Disney News de Victor, faut pas lui dire. Chut. Non, je blague, c'est moi qui les filme en plus. J'avais complètement zappé qu'on n'était plus à 400 euros le pass Infinity, mais à 450. Donc j'ai une petite surprise en arrivant. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Bon, voilà, moi j'en ai pris 3, ça fait quand même mal. Et du coup, on a aussi pris nos billets pour Halloween qu'on n'avait toujours pas. Nous, ce sera le 26, le samedi. C'est pas le jour même d'Halloween, mais c'est plus pratique par rapport au travail, différentes choses. Et puis en plus, c'est moins cher. Donc voilà, donc là, on a perdu énormément d'argent. Donc je fais un appel aux dons. Je blague. Il y a des gens en premier degré qui vont dire: ah mince, les pauvres. Non, ça va aller. Si, on est pauvres, très pauvres maintenant. Donc là, ça va être un vlog un peu spécial. C'est des images qui ont été filmées de nuit. Donc on est dans l'ambiance, c'est vraiment spécial. Donc vous allez voir Fantasyland, Discoveryland, Frontierland, un peu de Main Street. Ça dure pas très longtemps. C'est vraiment magnifique. Dumbo la nuit et Manhattan, c'est sublime. Le reste aussi, mais voilà. Donc quelques images nocturnes, vous n'en avez pas mis depuis un petit moment. Il y en aura d'autres plus tard, forcément avec Halloween et avec Noël. Mais voilà, déjà ça, enjoy. Vous avez dit que c'était magnifique, non? Bon, alors, j'avais filmé ça quand on a démarré la chaîne, le tram tour, ça. Donc j'avais filmé le tram tour, on ne l'a jamais mis en ligne. Donc maintenant, il n'y a plus grand chose à voir à proprement parler. Mais bon, moi j'aime bien la partie avec le canyon. Donc ben là, je me rends au tram tour. Puis ben voilà, on va continuer en mode vlog. Donc là, on a une véritable voiture utilisée dans le film, les 101 Dalmatiens. L'inspiration, c'était la Bugatti Royale qui était, je ne sais pas si c'est encore le cas, la voiture la plus chère jamais construite. Donc je le répète, c'est bien celle utilisée dans le film. Hein. Soyons toujours au côté musée avec le parc. Ouais.
Ben voilà. Je me suis installé, j'en profite. Un grand merci à Jessica qui nous a aidé pour être bien placé au niveau du train. Merci beaucoup, Jessica. Pas Jessica, ravite, hein. Je parle d'une cast-member. Alors, tout ce tronçon, alors voilà, on a un CESR derrière, c'est génial. Mais avant, moi j'aimais bien parce qu'on voyait le bâtiment, on avait les costumes, on voyait des gens travailler à l'intérieur. C'était vraiment sympa. C'était vraiment le côté Visite Studio. Chaque wagon a un costume. Alors voilà, avec Jeremy Irons, Irene Jacob, qui nous présente en français et en anglais les différents métiers, les effets spéciaux, les costumes liés au monde du cinéma. Ah. Donc pareil, ce que vous voyez là, ça a servi dans le film Pearl Harbor. Alors actuellement, on a énormément de travaux. Comme vous savez, un quart va débarquer au train de tour. Mais on a toujours, moi j'adore cette mini-série d'Inotopia. Je la recommande, c'est vraiment génial. Et là, on a des décors du film. Si vous êtes déjà impressionné par la grandeur de ce plateau, imaginez un peu les loges des dinosaures. Alors en CGI, ils avaient toute la partie arrière avait été rajoutée. When you tell those computer guys to give it a break, please, we're talking about physical effects here. I'm sorry. Les images de synthèse paraissent même parfois plus vraies que nature. Est-ce qu'on a un Nemo là? C'est super drôle, hein? Mais tout comme le cinéma a encore besoin de deux acteurs en chair et en os. Je sens que ma caméra va s'amorcer. Les pompes de ces jets d'eau sont si puissantes qu'elles peuvent envoyer un ballon de foot jusqu'au sommet de la tour Eiffel. Imaginez un peu la tête des touristes en haut.
France ne fait pas dans le cadre. Dommage. I can't understand. I thought you would have done a great job of looking terrified. Ah, vous pourrez pas dire, hein, je me moule pour vous. Les artistes effets spéciaux ont l'air d'adorer s'amuser avec Joël Fou. L'envers du décor. Allons voir comment ils s'y sont pris. Now that you've passed your trial by fire and water, and I suppose you're entitled to see just how those effects are put together. Donc, les passes annuelles, il y a Halloween, nouvelle caméra. J'accepte tous les dons. Les studios de cinéma ont toujours aimé faire du recyclage. Et je ne vous parle pas seulement du film La Suite numéro 1, 2, 3, 4. On arrive à Londres, mais Londres de l'époque du règne. Studio, donc endommagé tout un quartier de Londres par les flammes que lance de vrais dragons. Puis les dragons peuvent-être des créatures si capricieuses. On l'entend arriver. Ça a toujours été une petite déception. Et là, on est juste derrière le show des cascadeurs, on les entend répéter. Bonne fin de journée. Reste attentif. Il ne sait jamais qui on peut rencontrer. Je me rappelle, c'est ici à Shine Marvel, on avait rencontré Thor et Loki. Affirmé, affiche passe. Adios, on est chaleureux. À tard. Alors regardez bien les véhicules et vous avez derrière les affiches correspondant au film dans lequel ils ont été utilisés. Bon, Sir et Sir, hein, Toy Story, on va pas vous présenter. Et maintenant, mesdames et messieurs, les enfants, le balade en train est terminé. Merci d'attendre la récompense en garde avant de descendre. Faites attention à la marche ainsi qu'à l'ouverture automatique des portes. N'oubliez pas tous les équipes personnelles. Et passez toujours d'Inotopia. Très bien, maintenant. Donc voilà, donc indiscutablement, il y a des choses à perfectionner. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous laisser, j'aurais peut-être dû en discuter avec Victor, il était plus au courant que moi, ce qu'ils vont nous laisser par rapport à maintenant. Donc voilà, on sait qu'il y a Cars qui débarque, il y en a qui sont contre, et les gens qui sont contre, je pense que c'est les gens qui ne doivent plus faire le train de tour depuis des années. Pour moi, c'est un plus, si c'est bien fait, ça peut être très très intéressant. Donc la partie avec le camion, toujours aussi spectaculaire, je trouve. Et ce que je disais, voilà, j'aurais bien aimé qu'on voit un peu, ou une patte de dragon, surgir en même temps qu'on a les flammes. Bon, je suis toujours resté sur ma faim avec ça. C'est spectaculaire, on sent vraiment la chaleur, on a vraiment les flammes qui viennent vers nous. Où est le dragon? Alors ce que j'aime à Disneyland, c'est quand on tombe nez à nez avec des personnages qui se baladent. Là, il y a Tic et Tac et Clarisse. Et regardez bien ce qui s'est passé. Ça, c'est des moments extrêmement rares. Il n'y a pas de noisettes, il n'y a pas de Il n'y a pas de noisettes. Je détruis la nature comme ça. Tu vois, tu fais le bien. On y va, les amis. Qui t'aime, Mélodie?
Bon, si vous suivez, vous savez que j'ai un petit fait pour Clarisse. Goldiva aussi, mais Clarisse. J'ai ouvertement dit que je la trouvais sexy. Ne me lâchez pas dans les commentaires. Donc, voilà, c'est les images que je viens de vous montrer. Mais maintenant, j'ai mieux parce que je l'ai enfin rencontré. Bon, j'ai une petite histoire. Regardez les images. Alors, par contre, j'en profite pour dire merci à Maxence, Disney Parker. Allez voir leur chaîne, leur Insta, tout sera en lien. Et voilà, c'est lui qui a filmé. Si c'est mal filmé, j'ai pas encore vu le retour. Si c'est mal filmé, je pèterai sa gueule. Mais je lui ai fait confiance. Encore merci Maxence, Disney Parker. Et j'ai Clarisse. Elle n'était pas insensible à mon charme. On fait des petits tricks. Il y a Clarisse. Clarisse. Alors... Clarisse. Merci à toi. Ok. On est les plus belles. Hein. Oui, pour le moment là, c'est ça. Ah, that sounds wrong là. Nice to meet you. Something sounds wrong. C'est bizarre. Moi, je garde Clarisse avec moi. Ah, pour rien. Ouais, les garçons, vous placez pour ça. Mais non. Mais si, mais tac. Je croise les bras alors. Tac, bien. Marie-Thor, Hop là, c'est bon. Ouais, je le cache. Hop là, allez, bon, salut. Après la famille ici, Alex, je peux envoyer. D'accord. Ainsi se termine ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, pouce vers le haut. Ben, et puis à bientôt. Le mois de septembre va être très chargé parce qu'entre le run, il y aura Dapper Day, il y aura début d'Halloween, ça va être un gros mois de septembre. Là, on est encore dans le calme. Sur ce, ben, bye bye.